Maintenant que vous avez donc modifié les réglages de votre projet, donc sa résolution, le nombre d'images par seconde, nous allons donc apporter l'ensemble des médias qui nous seront utiles pour notre montage. Donc vous allez vous mettre en mode de travail média. Et dans Master, on va faire exactement la reproduction de notre organisation sur notre disque dur, parce que vous savez que DaVinci fonctionne par adressage, donc il va lire à l'extérieur les fichiers. Donc si on modifie l'organisation de nos dossiers, nos médias vont être offline. Donc première méthode, vous faites un clic droit souris, vous créez donc un nouveau chutier. Sinon, je vous conseille très fortement d'utiliser les raccourcis clavier pour aller beaucoup plus vite. Donc là, je vais créer un dossier média. Dans Média, je vais créer donc un dossier Rush. Et dans Rush, donc je vais maintenant importer tous mes éléments. Raccourci clavier, commande I. Et vous sélectionnez donc l'ensemble de vos rushs. Ils ont bien été donc ici importés. Donc ici, c'est la première méthode, hein, c'est-à-dire qu'on va créer autant de chutiers, donc de dossiers, et on va respecter la hiérarchie de l'organisation que nous avons fait sur notre disque dur pour éviter donc d'avoir des fichiers offline, surtout si on va travailler ensuite sur d'autres ordinateurs. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, bon là, je vais supprimer les éléments. Deuxième méthode, c'est-à-dire qu'on va tout simplement glisser, déposer nos éléments. Donc je vais déplacer ma fenêtre, je vais donc aller ouvrir mon dossier. Et donc vous voyez ici dans l'organisation, mon projet, j'ai bien donc médias et tous les médias que je vais avoir besoin pour mon projet. Donc je vais tout simplement prendre le dossier MEDA et le glisser dans la fenêtre, donc master. Avec cette méthode, l'avantage, c'est qu'on respecte l'organisation de nos dossiers et de sous-dossiers, et on a importé l'ensemble de nos fichiers.